Il s'est longtemps tenu publiquement à l'écart de ce dossier, mais cette fois-ci, Nicolas Hulot va s'investir personnellement pour tenter de ramener le calme à Notre-Dame-des-Landes. Le ministre de la Transition écologique et solidaire est attendu en début d'après-midi à Nantes pour présider une rencontre entre la préfecture et une délégation d'opposants qui comprend des agriculteurs mais aussi quelques occupants de la ZAD. Alors après 10 jours d'opérations policières, des expulsions, des destructions, des affrontements parfois très violents entre manifestants et forces de l'ordre, le gouvernement semble prêt à lâcher un peu de lest et à autoriser les ZADistes à déposer des demandes de projets agricoles collectives. Mais il faut aller vite car la concertation n'a que jusqu'au 23 avril pour aller jusqu'au bout. C'est la date butoir fixée par le gouvernement aux ZADistes pour déposer leur projet agricole afin de s'installer sur les terres libérées après l'abandon du projet d'aéroport.